Buongiorno. Je suis Don Angiorato, parrain de la mafia italienne. Je suis avec mes frères San Pellegrino. San Pellegrino. San Pellegrino. Ne négociez pas mon nom, s'il vous plaît. Et mon deuxième frère, c'est quoi ça déjà? Don Chocolato. Don Chocolato. Nous y avons caché un cadavre accroché avec les pieds sur un parpaing et mis dans la rivière. Un trésor. Le premier qui rediffusera cette vidéo, le même sort lui sera réservé. Aujourd'hui, nous allons retrouver le cadavre avec ceci. Ceci est alimenté pour aller à la pêche alimenté. Et alimenté. Merci pour ton intervention, Don San Pellegrino. San Pellegrino. San Pellegrino, pardon. Non. Laissez un pouce bleu, sinon la mafia italienne viendra chez toi. Et ça se passera très mal. Vas-y, Don Pellegrino, fais ton premier lancer. C'est parti pour la pêche alimenté. Comment qu'il s'appelle l'affront de... Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Vas-y, Thierry Lafronde. Bon, aujourd'hui, les gens, on teste la pêche aimant. C'est une grande première pour nous. Et là, c'est obligé, il y a des trésors quelque part. Ah bah, ok. Oh, mais pas ici. Pas ici. Vas-y, vas-y. Ouais. Oh, joli. Laisse le couler. Donc, il est parti là-bas. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des armes de guerre là-dedans ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des tanks, mon gars. Des laisse tomber. Voilà, des militaires de la guerre encore. Je tire comme dans les vidéos que j'ai vues, tu sais. Vas-y, tire délicatement dans un San Pellegrino. San Pellegrino. San Pellegrino. Arrêtez. Il n'y arriverait jamais à dire ton nom. Ah, t'as vu, il s'abule. C'était une silure avec une dent en or. Un silure avec un plombage. Et Don un chocolato, que passe-t-il de tout ça, Don un chocolato? Et moi, j'y regarde, c'est tout. J'y regarde, j'y regarde. J'y regarde, j'y regarde. J'y regarde. Don un chocolato, regarde. Oh putain, je crois que j'ai une voiture, une soucoupe volante. Et Don un chocolato est là pour nous assister et il va regarder la pêche alimentée. Ça bulle là, William, hein? Ça bulle, hein? Ah, ça bulette, ça bulette. Ça a l'air d'être vivant. Ça a l'air d'être vivant, mon gars. Ça s'enfonce peut-être dans la vase et c'est pour ça que ça bulle aussi, tu vois. Ça se trouve, t'as quelque chose, mon gars. Hein. Tu sais que pour aller à la pêche alimentée, faut toujours des gants. Et tout nos perruques. Et oui. Et pourquoi on n'a pas des gants alors? On les a oubliés dans le carbillard. Et donc, le premier lancé de El Gelato, il a déjà trouvé le trésor. Peut-être le fil dentaire du silure. Ah bah ouais, mon gars, mais il y a un hameçon. C'est pour ça qu'il faut des gants, parce que t'as moyen de choper le tétanos là-dedans, mon vieux, tu vois. Bah ouais, bah fais gaffe. Fais gaffe, il est bien pris. Ouais, ouais, donne-moi le tétanos, tiens. Donne-la, donne-le le chocolato. Donne-la, donne-le le chocolato. Il ne devait pas tenir la caméra à 3000 balles avec mes mains pleines de vases. Franchement, on a accroché les mains sur une vieille jambe de bagnole. Alors le truc, il est dit pour 115 kilos de pression. Honnêtement, on l'a accroché sur une jambe, t'as vu comment que c'est chaud à l'enlever? Oh grave. On tente un deuxième lancer. Y'a rien, y'a rien. Où ça, là-bas, là? Ouais, là-bas, ouais. Tu vois, tant que tu vas au fond? Moi, je pense que ça va vite au fond, hein. Bah, à mon avis, vite arrivé au fond, hein. Quel chocolito? Bah, bien sûr que t'as quelque chose, Nathan. Évidemment. Deuxième perruque. Il nous fallait des gants. Regarde ça, les mains que j'ai, là, déjà. Tu vois, ça, c'est un bon pêcheur à l'aimant, ça. Ça hésite pas à mettre la main dans la vase et tout. C'est comme ça que tu déterres les trésors. T'as du mou, il y a 30 mètres de corde, donc on va pas en manquer. Je pense qu'en bateau ça va mieux, tu vois. On peut essayer un jour en bateau. Hein, tu vois. En bateau. Ouais. Un petit like si vous voulez qu'on pêche les mains en bateau, on a le bateau pneumatique en plus. Bangoud. Dédicace, Bangoud. Fais une dédicace à Bangoud, donne un chocolat. Petite dédicace à Bangoud. Bangoud. Pareil pour un beau lancer. Il est beau, hein. Il est beau celui-là, il est beau. Il est parti loin. Il est parti loin quand même. Ouais, il est parti loin. Je suis pas dans le milieu, mais bref. Ça sent la grosse perruque, William. Ouais. Ça sent la grosse perruque. Je dirais même pire, ça pue la perruque. Ça pue la perruque à planer. Donald Pellegrino, va mettre la bagnole au fond de l'eau. Va mettre la bagnole à l'eau, voilà. Pêche un truc. Attention, lancez de tirer la fronde. Tu vois, des fois, tu sens que ça résiste. Oh, j'ai quelque chose, William. J'ai quelque chose. Oh! Ça a lâché? Est-ce que j'aurais pas été accroché dans un tronc, des fois? Regarde, tu vois, ah! Hein, ouais, tu vois, ça résiste. Tu l'avais là? Je pense que c'est des branches. Je vais le lancer une fois de l'autre côté, voir. Oh. Moi, si tu vois, en bateau, ce serait beaucoup plus pratique, franchement. Bah, on pourrait se faire un petit tour en bateau la prochaine fois. Ouais, ce serait beaucoup plus pratique, quoi. Qu'est-ce que tu en dis, El Chocolato? Donne El Chocolato! Je me dis que c'est une très bonne idée. Avec les bateaux de chez Bangoud, quel est le lien dans la description? Toujours! Ah. Oh, regardez donc, on a pêché un aimant. Y'a rien. On a pêché un aimant de chez Bangoud. Je vais essayer de lancer là-bas un peu. Oui. Parce que franchement, tu regardes des vidéos, des fois, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'un gars, il a sorti une mitrailleuse de l'eau. Ouais, mais il y a des mecs, ils ont sorti trop de trucs. Une mitrailleuse de l'eau, mon gars. J'ai même vu une vidéo. Et je suis sûr, tu vois, c'est oublié. Ah, ça résiste, hein. Ouais, ça résiste, mais ça sent la pire.
C'est obligé, tu vois, même là-dedans, t'as des trucs, c'est obligé, t'as des armes de guerre et tout. De toute façon, il y a eu la guerre partout en France. Ouais, bah c'est clair. C'est obligé, t'as des armes de guerre là-dedans, des trucs de ouf. Va savoir par trouver un trésor ou quoi, tu vois. Imagine. En vrai. C'est vrai, hein. T'en sais rien. Oh, regarde, ça résiste là, William. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, mais non, 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 ça résiste pas comme perruque. Ça, hein. Ça résiste pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça sent la grosse perruque. Ça pue la perruque. Ça pue la perruque. Bah tiens, regarde donc. Oh putain, oh ça pue la perruque. Et encore une ultime perruque. Ouais. Bon bah écoute, au moins on dépollue les rivières, c'est bien. Ah bah oui, là oui. Putain, et celle-là elle est magnifique mon gars. Oh. Montre-la à nos abonnés celle-là. Oh, tiens, giveaway à 1000 pouces bleus. Giveaway. On choisit quelqu'un au hasard et on lui envoie. On lui envoie la sainte perruque mon gars. Ouais. Qu'est-ce qu'on vise là? Franchement, minimum le trésor. Minimum Jack Sparrow. Minimum le trésor mon gars. Ouais, ou alors le Hollandais volant avec un peu de chance. Pirate des rivières. Il y a un de nos abonnés qui va être content. Il y a un de nos abonnés qui va être content sur la chaîne. Giveaway. D'une perruque. Oh oui, ça résiste bien comme une perruque ça. N'hésitez pas si quelqu'un la veut dans les commentaires. Ouais. Attention. Oh, c'est beau ça. Attends mon gars, il y en a qui sortent des armes, il y en a qui sortent des carcasses de bagnoles, des motos, tu vas pas me dire qu'on va pas sortir une punaise quoi. Ouais, ou un Boeing 747. Pour l'instant, le seul trésor qu'on a trouvé, c'est un hameçon et un fil de pêche. Ouais. Peut-être on va ressortir le Titanic. Peut-être, va un savoir. Un bout du Titanic. Il a flotté jusque là. Tu l'as dit, t'as un chocolat. J'ai roulé ma cigarette. El cigario. Ah ah ah. Oh. T'as quelque chose? Ça tire? Oh oui. Regarde la vase qui remonte, t'as vu? Il y a un remous de vase et tout, je suis sûr que t'as accroché ça une branche. Ça se passe là-bas. Attends, je vais faire un deuxième lancer là-bas, mais je pense pas. Vas-y. Je pense qu'à mon avis, au niveau de la branche, je vais le faire. Oh, mon bras, mais c'est pas grave. Je vais le prendre par là. Non. Non, non. C'était sûrement la branche. Ouais. Je pensais, mais... Non, non. On a même pas sorti un clou, William, quoi. Non, pas un clou, c'est clair. Pas un boulon, mon vieux. Nous y avons deux pêcheurs là-bas qui tentent de nous piller notre trésor. Mon zoom n'y est pas assez puissant. Il me faudrait un objectif à 3000 balles. Si les mix nous regardent, envoyez-nous un objectif. Bah hein? Écoute, ça pue la défaite. Voilà. Je pense qu'on n'a pas choisi le bon spot là. C'était pas un bon spot là, ah, franchement. Non, pourtant, non. Ça sent le trésor. Ça pue le trésor à plat vu. Ça pue le trésor pourtant, je suis sûr qu'il est ici. Hein. Attends. Oh, s'il y a un endroit où tu dois planquer un cadavre, c'est ici, quoi. Je veux dire, il y a forcément des trésors ici, quoi. Zoom sur ma piqûre de guerre, William. Regarde, regardez pour vous, les abonnés, là. Seigneur, on voit bien que ça purule d'ici. Oh là là, Seigneur. Là là. Oui. Voyez les abonnés un petit peu, hein? Voyez ce que je fais pour vous? Allez, regarde, Thierry, il a fait lancer, William. Oui. Thierry, la fronde. Ça c'est un bon pêcheur. Regardez ça comment qu'il a tout là. Hein? Là il est bien là. Hey, je suis Don El Gerato. Tu ne me parles pas comme ça bien toi. Bon allez Steven, là on cherche des armes là un petit peu là. Allez. Vas-y, au moins le chargeur, on ramène une balle au moins. Au moins une mitraillette, une AK mon vieux, quelque chose là. Bien haut quand bien même. Bien haut et lâche la corde, hein, lâche tout. Mais non, mais lâche pas une fois que la lance. Il se prépare pour les Jeux Olympiques. Oh c'est dans le jus ça, tiens. Tiens, regardez ça. Jut, cochon, jut. Ah oui, bah t'inquiète pas, bah. Regarde, c'est bon, bah on l'a le titre de la vidéo. J'avale un moustique, KTT, un signe d'action. Arrête de faire niguer. Bonne soirée. Soirée mente. Nous y avons peut-être un abonné en live sur la chaîne qui va s'abonner. On va peut-être récolter un nouveau client. Comment tu t'appelles? Valentin. Salut Valentin. Bonsoir. Ah et puis... N'oubliez pas le petit lien G2A dans la description. N'oubliez pas le petit lien G2A, bien sûr. Pour acheter vos jeux moins chers. T'es déjà abonné, non? Ouais.
Ah, bah, c'est un bon abonné. T'es déjà abonné, puis t'es déjà abonné, puis sur YouTube. Bah, là, je savais pas. Hein, bah, et bah, ça, tu vois, c'est pas un bon abonné. L'arnaqueur. Voilà. Filmez-le bien, c'est pas l'arnaqueur. Un bon abonné. L'arnaqueur. Le mec, il savait. Et en fait, abonné, ouais, voilà. Il est là, Valentin, sur YouTube, il est déjà abonné en plus. Non, on cherche des armes. On pêche avec ça. Ah, tu veux tester à lancer, Valentin, peut-être? Allez, monte bien lancer, par contre, attention. Montre à lancer. Regarde, je te montre à lancer, Valentin. Tu fais comme ça. Et tu tires. Voilà, mais voilà. Tu fais des conneries. Voilà. Voilà. J'espère qu'il va le faire en mieux. Nous, on cherche des armes plus particulièrement. Hein. Et de l'or. Des vraies armes. Ouais, et de l'or. Et de l'or. Et de l'or. Et de l'or. Et ma Ferrari que vous voulez ici. On fait pêcher un abonné. Pêche à l'aimant. C'est la lâche. Oui. Et tu pouvais le faire plus loin, il y a de la corde. Et après, tu montes. Magnifique même. Si tu voulais remonter un gros brochet. Voilà, c'est ça. Et tu as pêché absolument rien. C'était un fail pour cette fois. On n'a rien pêché à part 2-3 perruques, comme vous pouvez le constater. Le seul trésor qu'on a remonté, c'est un hameçon accroché à son fil de pêche. Ah, et un abonné. Voilà. Et un abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, Valentin, le mot de la fin. Laissez un petit pouce bleu. Coupé. Au revoir. Un petit mot, donner le chocolato. Je suis très déçu pour ma Ferrari.